là, ça bénéficie à son tour d'un penalty. Regardez, là, il passe devant Declan Rice. Dire que demain on devait jouer contre Braga, les gars. Je suis dégoûté. Braga, braguette, une braguette ouverte. On les aurait fumé, les gars. Un match largement à notre portée. Mais on a subi un Braga, un bragage contre Panathinaikos, la vie de ma mère. Et c'est comme Algérie-Cameroun, hein. On peut toujours attendre pour le rejouer, ce match. Hein. C'est ça, alors, on rejoue pas le match, hein. Ça a servi à rien, toutes ces plaintes. Le courrier de Pablo Longoria, il a envoyé un courrier, lui aussi. Pourquoi t'envoies un courrier? On voit un snap, tant que tu y es. On voit un nude, aussi, non? Ah, ça a abusé, les gars. Voilà. Match au Vélodrome annulé. Ligue des Champions annulée. C'est incroyable. Dégoûté. On va faire quoi demain, les gars? Voilà. Avec cette chaleur, il y a des gens, ils font des chichas à la plage. Qu'est-ce qui me donne chaud, ceux qui font des chichas à la plage? Tu les vois sur leurs chaises de guetteur là, voilà. Ils ont tous une chaise de Décathlon, les chaises de guetteur. Ils sont assis, chicha. Dès qu'il n'y a pas d'eau, ils vont remplir le vase avec l'eau de la mer et ils mettent des glaçons dans le vase, genre, voilà. Genre, ça rafraîchit la fumée. C'est qui a inventé ça, les gars? N'importe quoi. Et chicha à la plage, c'est comme si tu fais une fondue au fromage à la plage. C'est la même chose. Tant que tu y es, fais une raclette à la plage, oula. Fais une raclette. Fais une chorba. Ah non, oula, que c'est abusé, frère. C'est abusé. Et la première cause de mortalité chez les jeunes à la plage, c'est pas la noyade, c'est les chichas, les gars. Sur la vie de ma mère. C'est comme si tu skis en tong. C'est la même chose, les gars. Oula, tu skis en string. C'est la même chose. La vie de ma mère. Vous me donnez trop chaud. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Oula. Ah, c'est une horreur. Le mec, il fume, il va jamais se baigner en plus. Hein. Normal, il fait des douches. On parle des chichas à la plage, mais moi, c'est pas mieux, les gars. Je bois un café sur 40 degrés. Mais c'est ça, les Algériens. On aime trop le café. C'est un truc de malade. Nous, c'est pas du sang qui coule dans nos veines. C'est du café, les gars. Les gens normaux, ils boivent du café pour se réveiller. Nous, les Algériens, on boit du café pour nous endormir. Voilà. Ça nous apaise, le café. On est les seuls. Ça nous calme. On est tellement nerveux, excités à la base... que le café, voilà que ça nous calme. On boit un café, dodo, direct on ronfle. Même quand on est petit, ça commence dès le plus jeune âge, les gars. Quand on est bébé, on ne connaît pas les biberons de lait, les bledi chef. Non, kahwa, café, biberon de café, les gars. Caféine, le bébé, il est là, il dort pas. 4h du matin sur le star, tape des accélérations, à 2 mois, il court déjà. Voilà, les gars. Vous croyez pourquoi les Algériens, ils attaquent des requins à la mer, les gars? Vous croyez quoi? Qu'ils ont des super pouvoirs? Non, ils boivent beaucoup de café. Voilà. Hey, 20 tasses de café, c'est pire que la caféine, c'est pire que certaines drogues, les gars, je vous le dis. Bon café bien brûlant sous canicule. Ah, ça rafraîchit. Hein. Ouh, ça fait du bien.